Bonjour, je m'appelle Mégane Pigeon, j'ai 10 ans, je suis une personne qui est très motivée dans la vie de tous les jours. Je donne toujours mon 110%, donc j'espère que vous allez aimer ma démo. Merci! On se connaît? Hein? Je t'ai déjà vu quelque part? Je crois pas, je suis pas du coin. Ok, mais on s'est déjà vu. Ma face te dit rien? Non, je pense pas, non. Tu connais Emma? Emma Trudel? Non, Gagnon. Emma Gagnon? Je connais pas. T'habites Gatineau? Non. C'est bizarre. Ouais. Bon, je suis prêt. Wow. Tu vas sortir dehors sans truc, sans gants, puis avec des rolling. Ouais, pourquoi? Ben, je sais pas, là, mais fais moins 25 puis moins 1000 avec le vent. Ouais, pis moi, je suis pas frileux, là. Ouais, mais là, il fait froid dehors. Ouais, mais j'aime les running. J'ai perdu mes gants il y a 2 mois, puis ça me fait pas bien dessus. Je trouve que ça me donne un air. Je sais pas, ça me fait pas bien, c'est tout. Ouais, c'est clair, l'enfant. Tu préfères entre le poche et l'hypothermie, tu choisis l'hypothermie. Je sais pas c'est quoi, puis je veux pas avoir l'air fou. Fait que, ouais, je choisis le pot patente, là. Hey! C'est demain l'itinéraire. J'arrive pas à le croire. J'ai l'impression que c'est comme un rêve. Un très mauvais rêve. Oui. Moi, c'est pareil. Là, la cérémonie, c'est demain, à 3h. Veux-tu dire quelque chose sur l'enterrement? Genre, as-tu préparé un texte? Je suis pas osée dire de quoi, là. Mais je sais pas si je vais être capable. Tout le monde veut que je parle, mais j'ai pas le goût. Veux-tu me le lire? Je dirai à toi. Je te dirai ce que j'en pense. Merci. Je vais essayer. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Passe-moi ton texte. Je vais lire, moi. C'est très beau, qu'est-ce que tu as écrit. Moi, à ta place, je serais pas capable de le laisser pleurer. Tu as vraiment trouvé tous les mots qu'il fallait. Merci. J'aimerais juste être capable de lire sans pleurer.